préparer le pistolage blanc. Que je vous ai préparé hier, j'ai mixé chocolat blanc, beurre de cacao, bien mixé pour que ce soit le plus fin possible. On mélange bien. Il y a autant de beurre de cacao que de chocolat blanc. On va vérifier ici dans la ponche que ça fonctionne. Hein, on essaye de ne pas en pulvériser partout. Vous allez les chablonner. Mettez une couche de chocolat blanc, vous voyez, sur la surface, le fond, pour le chablon. Ok. Ensuite, vous retournez vos entremets. Ils sont bien lisses, bien droits, comme il faut. Et vous enlevez le cercle. Enlevez vos rhodoïdes. Ah. Et on va venir faire un velours sur les entremets. Insister sur le dessus, que ce soit bien velours. Insister sur le côté ici, devant. Une fois que le premier passage est fait, on peut revenir sur le premier passage pour donner un petit peu d'épaisseur à nos velours. Mais, vous les récupérez délicatement. On va venir les mettre ici sur la grille. Je vais récupérer mon glaçage au chocolat blanc. C'est tempéré. Bien fluide. Mélange bien. J'en mets un petit peu ici. Oups. Que je vais parfumer au café tout à l'heure. Je prends ma cuillère, je fais ça proprement. Je prends ma cuillère. Et je fais la moitié de mon entremets. Je pousse bien qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Faire en sorte que ça coule bien tout autour. Ouais. Dans ce blanc là, je vais mettre un petit peu de café. Je mélange bien mon nappage au chocolat avec le café, soit à peu près homogène. Donc au niveau de la couleur, on est pas mal. Couleur un peu noisette. Je vais mettre mes fils. De glaçage, ça suffit, hein, juste pour que ça se tienne bien sur le carton. Le carton légèrement plus grand que l'entremets. J'attends que le nappage soit bien coulé. Je récupère un peu de gruée de cacao.
des mains sèches. Vous récupérez votre entremets. C'est assez fragile. Bien attention au glaçage. Bien le pousser. Ça reste propre. Vous récupérez, vous voyez, c'est pas très net. Ça a tendance à être un petit peu juste, ça accroche un peu. Donc le gruet de cacao va venir finir ici pour empêcher que le glaçage ça soit moche. Non, mais que sur la partie. Voilà. De toute façon, ça ne va pas tenir sinon sur l'autre côté. Je récupère ici les perles. On va pouvoir les couper en deux. Ça va me permettre de cacher mon café qui a été raté. Et le velours à la jointure de chocolat. Ceci. Je viens récupérer mes noisettes. Ça passe bien ici au niveau du support métallique et on a juste à pousser. Petite noisette ici. Et on rappellera avec un petit peu de gruet ici, juste derrière. Question ?